je vous assure, moi-même, il y a des choses qui m'épatent. Qui m'épatent. Souvent, quand je m'ai regardé, même sur des vidéos, je suis épaté. Je suis épaté. J'étais parti à Saïwa dans un village. On allait faire la délivrance d'un monsieur, un dragonnier. Il a un dragon qui a fatigué. C'est qu'il a bébé même pour dragon, bébé. Bébé de dragon. Donc, on allait faire délivrance, tout ça, les enfants. Ce jour-là, c'est mon chauffeur. Mon chauffeur est devenu caméraman. C'était pas n'importe quoi. Mon chauffeur est devenu caméraman. Le chauffeur est en train de filmer. Hein, la caméra est retournée contre lui. Il nous amusait les esprits. La scène, c'était terrible. C'est tout le moment de vécu. Donc, dans la journée, je suis allé dormir, fatigué. Matin, vers 11h, j'ai dit au gars, donne-moi, je le vois. Je vois sa tête, ses yeux. Mais Dieu, c'est ta nuit que je vois dans la vidéo. C'est sa tête, je vois. Ses yeux, je vois. C'est comment? Il dit, mais les tonnes, déjà, au moins, il filmait. Les démons ont fait, c'est lui qui sortait dans la vie. Il s'est filmé. Les démons sont pas amusés, c'est pas du jeu. Et ils vous contrôlent. Vous êtes sur contrôle. Sur ça, quand vous touchez quelque chose, pas ça se gâte. Pas ça se gâte. Donc celui qui vient vous délivrer là, pas, il est attaqué par le diable. Moi, je sais combien de fois les démons, je sais combien des esprits, je vois. Mais j'ai des choses qu'on ne peut pas dire parce qu'on n'avait pas la même dimension de foi que nous. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Il y a des gens qui viennent là-bas des choses, mais ce n'est pas utile. Moi, il m'a à l'essentiel. Amen. Comment te délivrer? Tu vas aller prendre héros. Amen. Tu vas venir fondre ça ici. Amen. 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 C'est important. Hein? Quand tu fonds ça, ça vient beaucoup. Tu vas venir faire les villas. Amen. Alléluia. Amen. Je proclame sur vous ce soir la délivrance dans le nom de Jésus. Amen. Et le Dieu vivant et puissant qui a délivré Israël de la main des Égyptiens vous délivre. Amen. Qui vous accorde le désir de tout votre cœur. Amen. Que vous ne soyez plus sous l'emprise des démons et des sorciers. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que vos sorciers soient jamais confondus. Amen. La puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vous fais asseoir dans la gloire, dans la puissance et dans la guérison, dans la santé et dans la richesse. Amen. Que Dieu vous ouvre des grandes portes. Amen. Des portes, les puissantes portes de la bénédiction. Amen. Et soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. 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 Donc je reviens sur le programme du jour. Et merci. Ce matin 30, je serai déjà là. On va commencer à vous recevoir et prier pour vous. Ça, c'est important. On va commencer déjà à faire un entretien spirituel avec vous et faire une consécration. On vous dira au revoir. Mais en même temps, le reste suivi, parce que après, on vous donnera un Skype. Et prier pour que vous et nous, étant même là-bas, on va faire des programmes, ça va dépendre de vous, de votre temps, pour qu'au moins une fois dans le mois, on puisse avoir un contact. Ça, c'est important. Pour qu'une fois dans le mois, qu'on puisse quand même avoir un programme. Parce que sur Skype, là, qu'on m'appelle là-dessus, c'est privé, non, il n'y a pas beaucoup de monde. Voilà, c'est pas tout le monde qui a ça. En fonction des programmes, on aura l'occasion de vous suivre. Mais croyez que Dieu est béni. Amen. Et croyez que Dieu vous a visité. Oui, parce que c'est une alliance entre nous et Dieu. Une fois on touche la tête des gens, les démons sont obligés de lâcher les deux. Oui, c'est une alliance. Ce n'est pas la force, ce n'est pas crasso. Dieu m'a appelé comme ça. C'est la grâce qu'il a mise sur ma vie. Alléluia. Amen. C'est comme ça ma vie.